Amélie Paranormal, bonjour. Ben aujourd'hui, la petite vidéo va vous montrer mon projet, mon petit projet que j'ai réalisé hier soir. Ça m'est venu comme ça. J'ai réfléchi. Ça m'a pris à peu près 2-3 minutes pour essayer de trouver un combiné entre le fait de se filmer et de prendre une température en simultané. Donc voilà, ça a donné lieu à ce que j'appelle moi une thermocam. Ni plus ni moins qu'un combiné d'une petite caméra de bord, voilà, modèle MDV avec un thermomètre infrarouge à laser. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je préconise par contre, je sais pas si vous voyez bien, mais là j'ai mis une cale de soutien parce que c'est bien, bon, c'est bien fixé, mais ça renforce justement la fixation entre parenthèses. Ce qu'il y a de bien, c'est que je peux dévisser ma caméra et l'installer ailleurs. Donc on va faire un petit essai. On ouvre, on allume. Voilà, donc ici, et ensuite on n'a plus qu'à. Voilà, donc là après, hop, vous voyez le point qui s'affiche en même temps sur l'écran. On voit dans l'écran, c'est super pratique, c'est super sympa. Ce qui fait qu'on a une rapide appréciation de la température et de ce qu'on peut voir. Alors, cet appareil aura pour but justement de pouvoir corroborer, je le dis souvent, de pouvoir en simultané éventuellement choper ce qu'on appelle donc une véritable orbe sphère rayonnante d'énergie. Alors, si ça se produit et qu'elle passe, à ce moment-là, le thermomètre, lui, enregistrera certainement une baisse de température, ce qui veut dire que entre la preuve visuelle et la preuve température, la preuve thermique, entre guillemets, à ce moment-là, pour moi, on n'a plus aucun doute. Voilà, donc, petite invention qui n'a pas pris beaucoup de temps pour y réfléchir. Voilà, donc vous voyez, donc là, ça se dévisse, hop, même en secouant. Bon, là, je n'avais pas trop serré, mais une fois bien serré, c'est le top, puisque je l'ai bougé en tous les sens, c'est parfait. Donc voilà. Merci d'avoir regardé, et puis à très bientôt. Au revoir.